Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous nous retrouvons pour notre vidéo. Une femme m'a vraiment touché avec son message. Vraiment, ça m'a touché. Elle nous pose la question sur la main. Donc, on ne peut plus recevoir d'aide sans qu'on couche avec nous. Ou sans qu'on nous demande quelque chose en retour. Ça veut dire quoi? Ces gens. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus aider une fille sans lui demander son corps. C'est devenu une chose vraiment, vraiment très, 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 très grave. Et ça devient très, très inquiétant. Regardez ici. Regardez la fille. Elle a tranquillement. Le gars arrive. Il touche son épaule. Les gens sont déjà fous dans la tête. Regardez. Ah. Au bureau, hein, au bureau, regardez. Tu veux du boulot, tu as des compétences, tu arrives. Le gars te dit, ah, tu es belle aussi, hein. C'est vrai, tu as des compétences, mais tu es vraiment très belle. C'est comment? Il va commencer à lui faire des propositions bizarres, des choses vraiment hors du commun. Moi, je prie, hein, que je ne le fasse pas. On ne sait jamais de la vie. Mais si Dieu me donne un poste vraiment très élevé, très important, je prie ne jamais le faire. Et puis le truc dans ça aussi, c'est que parfois, quand tu ne veux pas le faire, que tu n'es pas dans ce genre d'histoire, ce sont les femmes-là elles-mêmes qui s'élèvent pour venir te draguer, pour venir te dire que, ah, monsieur, vraiment, je n'ai pas de compétences. S'il te plaît, bon, voici mon corps, si tu prends mon corps et puis tu me donnes quelque chose. Vous voyez comme, c'est-à-dire, le monde est mélangé. On ne peut plus défendre aussi certaines femmes. On ne peut plus les défendre. Le monde est mélangé. Oh, le monde est mélangé. Mais avant de rentrer dans les détails, hein, nous allons écouter cette femme et découvrir ce qu'elle dit. OK? C'est parti. Si je dois comprendre, aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de service qu'on rend facilement. Il n'y a pas de service qu'on rend facilement parce que. Il t'a dragué. Tu n'as pas accepté. Donc, demain, si tu as besoin de son aide, il est incapable de te rendre ça. C'est grave. C'est grave. Parce que dans ce bas monde, tout ne tourne pas autour du sexe. Non. On peut beau avoir des amis avec qui on n'a jamais flirté. Et aussi, on ne peut pas sortir avec tout le monde, avec tout le monde, avec toutes ces personnes qui me draguent. Non, on ne peut pas. C'est ce que vous conseillez à vos soeurs. On doit sortir avec tout le monde avant qu'on nous rende service dans ce pays ou dans ce monde. C'est une C'est aberration. déplorable. Et c'est déplorable. Franchement, c'est une aberration. Parce que je ne peux pas avoir besoin de toi. C'est que, en fait, qu'est-ce que vous. Comment on appelle le sens de l'amour du prochain là dont vous n'avez plus mais son doigt vous voyez ça pas bien elle dit que vous n'avez plus l'amour du prochain où s'est passé l'amour du prochain vous n'avez plus cela vraiment ce n'est pas bien vous voyez ça il y a amour et puis il y a amour dans le sens de aimer un prochain et puis il y a amour dans le sens d'aimer une femme. Regardez comment le gars il a été touché la cour. Regardez comment il a été touché la cour. Regardez ça. Ah! Même si on dit, ces gens d'amour là, entre l'homme et la femme là, moi, je ne valide pas cela. Je préfère vous le dire ouvertement. L'amour entre l'homme et la femme, tant que ce que vous connaissez là, moi vraiment, je n'accepte pas ça. Je préfère aimer mes frères et de sont bon ici. Même si on ne se voit pas à distance, je vous aime. Vous m'aimez. Vous m'avez prouvé que vous m'aimez. Ça là, c'est le vrai amour. Je vous assure. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour le plus élevé. Mais aujourd'hui, un homme rend service à une goutte. Il veut absolument que le monde soit caleçon. C'est bizarre, hein? C'est toi. C'est que, en fait, qu'est-ce que vous. Comment on appelle? Le sens de l'amour du prochain là. Donc vous n'avez plus. Mais son doigt. C'est pas bien. Yon, Mijodo, c'est pas bien. Si tu la dragues, elle accepte, tant mieux. C'est inacceptable.
La vie continue. La vie continue. Qu'est-ce qui prouve que vous allez rester ensemble, vous deux? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Et personne ne veut d'une relation sans lendemain. Personne. Personne ne veut d'une relation sans lendemain. Arrêtez ça. Arrêtez ces mentalités fécales là. Arrêtez ça. No, no, bye. No, no, bye. Si je dois comprendre, aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de service qu'on rend facilement. Écoutez vraiment là bien, quoi, hein, pour une deuxième fois. Il n'y a pas de service qu'on rend facilement parce que il t'a dragué. Tu n'as pas accepté. Mais si tu as besoin de son aide, il est incapable de te rendre ça. C'est grave. C'est grave. Parce que dans ce bas monde, tout ne tourne pas autour du sexe. Non. On peut beau avoir des amis avec qui on n'a jamais flirté. Et aussi, on ne peut pas sortir avec tout le monde, avec toutes ces personnes qui me draguent. Non, on ne peut pas. C'est ce que vous conseillez à vos soeurs. On doit sortir avec tout le monde avant qu'on nous rende service dans ce pays ou dans ce monde. C'est une aberration. C'est déplorable. Et c'est déplorable. Franchement, c'est une aberration. Parce que je ne peux pas avoir besoin de toi. C'est que, en fait, qu'est-ce que vous... comment on appelle le sens de l'amour du prochain là dont vous n'avez plus, mais son doigt, c'est pas bien. Mais Jodo, c'est pas bien. Si tu la dragues, elle accepte, tant mieux. C'est inacceptable. La vie continue. La vie continue. Qu'est-ce qui prouve que vous allez rester ensemble, vous deux? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Et personne ne veut d'une relation sans lendemain. Personne. Personne ne veut une relation sans lendemain. Arrêtez ça. Arrêtez ces mentalités fécales là. Arrêtez ça. Ndobudo bye. Ndobudo bye. Bitaï kopi. Misia. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie, mais les choses sont claires. Et c'est réel. Vraiment. C'est réel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? Demander des choses à une fille parce que vous lui avez donné votre argent. Ah! Elle nous a clairement révélé que les hommes ne rendent pas service à une femme sans rien attendre en retour. En fait, les hommes ne rendent plus service aux femmes sans rien attendre en retour. Moi, vraiment, bon, je suis différent de toute façon. Mais l'histoire de femme, je ne suis plus dans ça. J'ai quitté ce monde-là depuis très longtemps. Est-ce que j'ai déjà rendu service à une femme sans rien attendre de retour? Oui. J'ai été même beaucoup de personnes. Malheureusement, moi, je tombe sur des sorcières. C'est-à-dire sur les femmes les plus mauvaises de la planète. C'est sur ces gens de femmes que moi, je suis tombé. Mais je les ai bien traitées. Au point où il y a une parmi elles qui m'a dit, qui s'est confessée pour me dire, « Ah, vraiment, je suis venu chez toi. » Tu m'as traité comme une reine. Depuis que je suis née, on ne m'a jamais traité comme ça. Et, ah bon, sérieux? Bon, ça m'a touché. Mais je me suis dit après, j'ai dit bon, c'était juste normal. Ou bien, pour moi, il faut quelque chose de normal. Elle est arrivée chez moi. Et voilà. Ça s'est bien passé. Bon, que Dieu touche le cœur des hommes, en fait, de tous les humains, afin qu'ils apprennent à aimer l'homme, comme Dieu nous a conseillé, comme Dieu nous l'a conseillé. Il y a des pasteurs qui sont en train de dire à certains de leurs jolies filles à l'église, ou jolies femmes à l'église, « Ah, ma chérie, tu es jolie, t'es. Vraiment, tu es très belle, je t'aime. » Elle s'est dit, oh, pasteur, merci beaucoup. Et il lui dit, oh, je t'aime, hein. Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Et il commence à la toucher. Il commence à la toucher à gauche, à droite. Elle dit, mais, ah, pasteur, mais que faites-vous? Il dit, non, Dieu lui a dit, aimez-nous les uns les autres. Donc, aimons-nous. Eh, Seigneur.
Si tu vois que ça t'arrive, hein, faut le chiffrer d'une manière, non. Il va penser que tu es la voisine du diable. Quel chat! Les gens ne font plus rien pour rien. Les hommes ne font plus rien pour rien. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je protège mes filles. Pour cela, je vais m'arranger à ce que toutes les conditions soient réunies avant qu'elles n'arrivent ici, pour qu'aucun gars sur cette terre ne puisse faire ça. Ne puisse faire quoi? Ne puisse faire ça. Ça là. Ça là. Il rêve malheur. C'est le métier que tu as fait ça. Tu n'as pas à croire. Faites attention à vos enfants, hein. Faites attention à vos filles. Vos filles, c'est ainsi, je vois vraiment beaucoup de différentes choses. Le diable vient m'attaquer et il utilise les filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Le diable vous utilise pour venir me séduire. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vraiment, ce monde est gâté. Parfois, on ne peut plus même soutenir les femmes. Mais cette fois, on peut même plus les soutenir. Ça commence à m'énerver, cette affaire-là. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la cloche. C'est parti.